Sometimes love is a dancer in the dark, spinning left and twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, I'm losing track of time. I'm losing track of time. Sometimes love is a thought. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour ma summer morning routine mais en version vlog. J'avais envie de quelque chose de plus cool et de plus spontané qu'une voix off et une vidéo bien préparée pour l'été. Je sais pas, je trouve que ça va mieux avec cette saison là, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là vous m'avez vu dans mon lit en train de me réveiller tranquillement, faire un câlin à Pearl, faire mon lit, j'ai sorti Pearl aussi, vous voyez les petits extraits maintenant, voilà on est sorti vite fait mais j'allais pas vous filmer la sortie de Pearl. Là je vais aller d'abord dans la salle de bain me laver le visage et faire ma skincare, ça c'est vraiment le truc que je préfère le matin, et après je descends au petit-déj et là vous allez voir que je prépare un super bon petit-déj parce que moi le matin je déjeune très bien. Donc c'est parti, on va ensemble dans la salle de bain. Du coup ce que je viens faire c'est que je vais commencer par m'attacher les cheveux parce que je me dégage le visage. Et puis je vais me passer un coup d'eau vite fait, je me lave pas le visage le matin parce que ça sert à rien en fait, on l'a déjà lavé la nuit et je vais juste venir passer un petit coup d'eau. Une fois que mon visage est bien lavé, je vais venir utiliser mon sérum, donc c'est une solution anhydre à l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary. Je l'aime beaucoup parce que ça permet en fait d'exfolier les peaux mortes en continu dans la journée et d'enlever les impuretés. Et en ce moment j'en ai pas mal dû au dérèglement hormonal. D'ailleurs je vous ai pas raconté, j'ai fait une pause de stérilet. Je pensais pas que j'allais réagir comme ça. Voilà, j'en parlerai peut-être dans une vidéo, je sais pas, mais là pour l'instant, je pense pas que c'est le sujet du matin qu'on a envie d'entendre. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je prends 3-4 gouttes et je vais venir l'appliquer, vous voyez, en tamponnant, vraiment, genre comme ça. Voilà. Je le fais chauffer un peu dans les mains et après, je le tapote, en tampon plutôt, sur mon visage. Et alors d'habitude, j'utilise mon petit roll-on en quartz, mais là, je l'ai pas. Donc je l'utiliserai peut-être tout à l'heure parce qu'en fait, je le laisse dans le frigo le matin. Ça fait du bien en fait d'avoir un petit coup d'air frais, c'est vraiment cool. Donc peut-être que je le ferai tout à l'heure. Mais sinon d'habitude dans ma routine, de tous les jours en tout cas pour ma skincare, c'est je le fais le matin. Donc voilà, et là maintenant je peux venir un peu plus étaler et venir sculpter mon visage. Ensuite on passe à ma crème contour des yeux, donc c'est la crème de chez Voilà Beauté. En fait depuis que j'ai testé cette marque là de skincare, de skincare, je n'utilise que celle-là, franchement, elle a vraiment clairement changé ma peau, pas dans le mauvais sens, hein, vraiment dans le bon sens. Elle est très hydratante, elle est parfaite en fait. Et puis l'odeur de fleur d'oranger, voilà, je vous en parle même pas. Mais si vous voulez voir la vidéo que j'avais fait dessus, je vous la mettrai dans le petit i parce que vraiment, je pense que c'est une marque qui mérite amplement sa popularité. Sans parler que ce soit Nolita qui l'écrit ou quoi, mais vraiment c'est de très très bons produits quoi. Donc là pareil, je viens tapoter en fait, je vais pas étaler totalement le produit. J'ai l'impression qu'on est à contre-jour, vous me voyez mal, je sais pas, dites-moi en commentaire, moi je trouve ça trop bizarre, bref. Parce que je me vois dans le retour écran. Ouais, dites, vous voyez, voilà, je tapote, j'étale pas la crème en fait, de façon à ce qu'elle soit bien bue par la peau. Voilà, et là on va passer à ma crème de jour qui est pareil, une crème de chez Voilà Beauté. Parce que voilà, c'est vraiment, vraiment la marque que j'utilise tout le temps. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, surtout que maintenant à Monoprix,
Parce que y a des, en fait, il y a le site internet qui les vend. Il y a aussi Nocibé et Monoprix. Et Nocibé et Monoprix, ils se prennent une belle marge dessus, je peux vous le garantir. Des fois, il y a des ventes privées, il faut regarder. Vous regardez sur Vipi, des fois, il y a des ventes privées avec la marque. Et c'est vachement... Enfin, c'est mieux. Là, moi, très récemment, il y en avait une. Donc, j'ai commandé et j'ai eu la crème de jour et la crème de nuit à moitié prix. Donc, en gros, j'ai payé le prix d'une crème pour deux. Voilà, c'était très intéressant. Donc voilà, donc là voilà, j'étale gentiment, tranquillement. Mais je trouve ça tellement plaisant de faire sa skincare le matin. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, genre on démarre sa journée du bon pied, quoi. Enfin, en tout cas pour le visage, moi après je me passe le corps sous la douche en fin de matinée, genre quand j'ai fini de tout faire. Mais sinon, mon visage, faut que je le fasse le matin quand je me lève, sinon je me sens pas bien. Du coup, pour le petit déjeuner, quelque chose de très simple. D'abord, je bois un grand verre d'eau à jeun parce que ça permet de réhydrater le corps. Et je prends un truc que je prenais pas avant et que je prends maintenant et qui est génial. C'est des petits shots de gingembre frais. Donc ça se présente comme ça, là. Et c'est hyper bon, même si on n'a pas l'impression comme ça, c'est vraiment... Pardon, excusez-moi, je suis dans le noir. C'est vraiment hyper bon, donc je vais vous poser et on va les prendre ensemble. Du coup, je commence par le grand verre d'eau. Ça fait tellement du bien, on a l'impression vraiment qu'on réhydrate sa peau en profondeur, j'adore. Et on passe au shot de gingembre. Alors pour ceux qui n'aiment pas ça, enfin qui ont peur, je vous avoue que la première fois c'est dur parce qu'il est vraiment bien concentré en gingembre. Donc il y a du pomme, de la pomme, du gingembre et du citron. Alors, j'ai du mal à parler ce matin, c'est dur. Après en même temps, faut pas m'en vouloir, hein, 8h30 debout et vous filmez direct une vidéo dès le lever du matin, dès le lever, c'est dur. Donc c'est parti, il faut l'avaler d'un coup hein, par contre, je vous préviens, si jamais vous voulez vous y mettre, il faut vraiment l'avaler d'un coup parce que c'est très 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 fort. Ça pique un peu dans la gorge là, mais moi je suis habituée, donc mais franchement c'est hyper bon. Par contre je vous conseille pas de les acheter en tout petit comme ça, parce que ça coûte très cher, on les trouve chez Monoprix. En tout petit comme ça coûte très cher, maintenant ils les font en grande bouteille et il y a 5 shots dans une grande bouteille. Et je trouve que c'est vachement plus rentable. Donc voilà, petit tips. Bon, du coup, j'ai dû allumer les lumières parce que clairement, il fait très sombre. Je pense qu'il va pleuvoir encore aujourd'hui. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. La semaine prochaine, il fait canicule. Donc on en revient au petit déjeuner qui est le repas quand même le plus important de la journée. Et c'est vrai que moi, l'été, j'adore bien déjeuner parce que j'ai vraiment le temps de préparer ce que j'aime. Donc du coup, ce que je prends en général le matin, bon, il y a toujours du pain, que ce soit du pain complet, du pain multicéréales ou alors des pains bagels comme là je vais prendre ce matin. Donc ça, je les achète chez Picard et vraiment ils sont super bons et rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que de prendre des pains, vous savez, au rayon pain de mie, les pains bagels à 4 euros là. Ceux-là sont nettement moins chers et ils sont bien meilleurs. Je me fais aussi du matcha. J'ai repris le matcha, ça faisait une éternité que j'en buvais plus parce que clairement on va pas se mentir, le matcha c'est très cher. Et j'ai voulu tester une autre marque, donc c'est la marque de Stelcoutre qui est Noka Matcha. Donc moi j'ai pris le prestigieux qui est juste hyper bon. Vraiment c'est le meilleur, je vais pas dire que c'est le meilleur matcha que j'ai goûté parce que Anatanaï Matcha est très bon aussi. D'ailleurs je vous ferai des vidéos sur le matcha, hein. Je vous ferai une vidéo où je testerai tous les matchas de la marque Noka Matcha et une vidéo où je comparerai un petit peu Noka Matcha et Anatanaï parce que j'ai très envie de faire ça sur la chaîne. Mais vraiment il est très très bon, donc très bonne surprise. Et je me fais un smoothie, ça c'est vraiment mon truc de l'été, les smoothies, j'adore ça. Donc en général celui que je fais le plus c'est celui avec des fruits exotiques parce que j'adore ça. Donc je prends de l'ananas congelé, tout est Picard, hein. Je ne suis pas sponsorisée par Picard mais les fruits congelés c'est vraiment les meilleurs. Je prends aussi de la mangue. Et là, petite nouveauté qui est sortie, c'est des fruits, du fruit de la passion en cube qui se présente comme ça. Et moi j'adore et ça me permet de du coup de pas mettre, vous savez, le jus de fruits innocent au fruit de la passion parce que du coup c'est très sucré. Et moi je veux vraiment plus manger des aliments bruts maintenant. Donc voilà, donc on va préparer tout ça ensemble et on va se poser tranquille pour déjeuner.
Et voilà, du coup, j'ai mon petit déjeuner devant moi, ça me donne trop envie. On va commencer par le smoothie parce que c'est la première fois que je trouve des fruits de la passion en cube. En fait, c'est une édition limitée chez Picard, c'est d'Amérique latine, je crois, Viva Latina, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo. Voilà, je vous le dis de suite. Et bon, allez, on goûte parce que j'ai trop envie. Oh, c'est un délice. C'est un délice, c'est encore meilleur en fait que quand je mets du jus de fruits. Parce que clairement, on a vraiment que le goût du fruit. Vous voyez, il n'y a pas cette dose de sucre. Et c'est vraiment trop bon. Trop bon. Bon, allez, je vais vous mettre une petite musique douce. Et puis moi, je vais continuer de déjeuner. Un autre truc que j'aime bien faire en été, c'est soit me poser et lire un livre, soit faire de la méditation. Ce matin, ce sera lecture, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Je me suis attaquée au tome 2 de la saga Serpent et Dove de Shelby Marin, donc c'est Blood and Honey, mais regardez-moi ce pavé. Je prends pas le temps de le lire, clairement, donc du coup, on va y aller. Juste pour vous donner ma première petite impression, c'est juste que c'est un petit peu... compliqué pour moi de me remettre dans le bouquin parce que le premier je crois que je l'ai lu il y a un an ou deux donc du coup c'est dur de se reconnaître les personnages et tout ça mais bon voilà, bon allez on va se poser et on va lire un petit peu. Du coup là je me préparais, j'ai lu pendant une petite heure, ça m'a fait vraiment du bien et puis je me suis posée aussi parce que j'ai très mal au ventre, comme je vous ai dit j'ai eu une pause de stérilet qui me fait très mal, c'est un peu en dents de scie en fait, si vous voulez un coup ça va, un coup j'ai des douleurs en fait, comme si j'avais des règles mais presque en fait, ça c'est, je sens que mes ovaires travaillent à fond et ça me fait très mal, donc quand ça m'arrive en fait j'ai du mal à bouger. Donc là ça va à peu près, c'est pour ça que je me prépare, mais je croise les doigts, je touche du bois, enfin bref tout ce que vous voulez pour que ça aille mieux. Donc du coup je vais me boucler les cheveux parce que j'avais envie aujourd'hui, voilà il fait pas très beau, il fait pas chaud, donc je peux supporter la chaleur du fer à lisser, donc c'est parti. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. Them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Et me voilà enfin coiffée, ça change quand même un petit peu la donne, hein. Moi, je trouve que c'est tellement plus joli, bon elles vont se défaire entre temps, mais je sais pas, je trouve ça plus joli. Bon, il y a toujours un côté où je fais les boucles plus basses que l'autre, mais ça va, ça se voit pas trop, enfin dites-moi en commentaire. Voilà, bon bah du coup je vais me maquiller et on se retrouve juste après parce que je vais pas vous montrer ma technique de make-up puisque mercredi une vidéo est sortie sur mon make-up. Donc du coup ben c'est exactement la même chose sauf que j'ai pas de trait bleu sous les yeux. Voilà. Et voilà, ça y est, make-up terminé, je me suis même habillée, je suis pimpée comme jamais. La chose que je voulais faire après dans ma matinée, donc dans ma morning routine, c'est d'aller à Starbucks juste pour prendre un café et faire du montage, mais je vous avoue, j'ai trop mal au ventre, donc du coup, je vais faire exactement la même chose, mais juste chez moi, donc je vais m'installer sur mon bureau, mais je vais d'abord montrer ma tenue. Du coup pour la tenue voilà j'ai mis la petite robe que je vous avais présentée dans le hall des soldes de chez Zara que j'aime bien. Je l'avais pas eu encore l'occasion de la porter donc du coup bah, c'est chose faite aujourd'hui même si je ne sors pas. Alors j'aurais peut-être mis une petite paire de sandales ou peut-être une petite paire de baskets pour casser un peu le look pour pas que ça fasse trop sophistiqué. Mais voilà comment je me suis habillée aujourd'hui pour ma journée.
Du coup, ça y est, je me suis fait un petit café dans une tasse d'automne, puisque vous vous doutez bien que déjà en août, je suis en automne dans ma tête, même si on tourne une summer morning routine, je sais. Et là, du coup, je vais finir le montage que vous avez de la vidéo que vous avez vue mercredi. Mais moi, comme on est dimanche, bah, du coup, je finis le montage. Voilà, voilà, je vais vous montrer un petit peu un petit aperçu quand même, même si vous l'avez déjà vu, mais juste pour vous montrer en fait à quel point c'est dur de travailler et de faire du montage. Vraiment, ça prend du temps. Voilà. Alors du coup, ça se présente comme ceci. Alors attendez, on va effacer ça. Hop, voilà, regardez-moi ça. Ce travail de génie. Ah, parce que moi, faut savoir que moi, j'ai pas... j'ai que iMovie, en fait. J'ai pas Final Cut Pro. Donc du coup, pour trouver des techniques pour faire un peu pareil que des vidéos quali de notre époque, bah voilà quoi. Donc, mais voilà ce que ça donne et je suis très contente du résultat, en tout cas. Et voilà tout le monde, ma summer morning routine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que le format vlog vous plaît aussi comme ça. Enfin, je trouve que ça fait plus cool en fait pour l'été. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !